Je dirige actuellement le groupe Valorge, qui est composé donc de 3 entités. Une entité donc à Pouilly-sous-Charlieu, 20 salariés. Valorge, donc entreprise de gros œuvres génie civil, 50 salariés. Et Valorge Construction, qui fait du tout corps d'État et de la promotion. Construire globalement à chaque fois, c'est un nouveau challenge parce que chaque projet est différent. On essaie de se positionner sur des projets hyper techniques. Ce qui nous fait vibrer, c'est le projet complètement improbable. On est en train de faire donc pour grands frais un centre d'affinage où on a conçu des murs rafraîchissants, chauffants. L'innovation, c'est ça, c'est d'avoir fait des murs. Je dirais qu'il joue le rôle de radiateur avec des systèmes d'isolation à l'arrière et puis qui en plus sont fixés mécaniquement. Et ça, c'est un petit peu l'innovation de ce projet-là. Le chantier Eau-de-Loire, c'est une opération qui nous a été amenée par Noao, qui est un gros promoteur lyonnais. 64 logements. Il a fallu se battre, je dirais commercialement, pour arriver à l'avoir. Et finalement, il nous reconsulte ensuite pour d'autres opérations sur Lyon. On a su, je pense, leur montrer que les entreprises rouennaises étaient plutôt compétentes. J'ai choisi ce métier parce que c'est une passion pour moi. Donc, j'ai dans un premier temps fait du chantier. Du gros œuvre, des immeubles. Et puis ensuite, l'opportunité a fait que j'ai pu évoluer dans mon métier. Tout d'abord chef de chantier, conducteur de travaux. J'ai intégré l'entreprise Valorge et j'ai appris le métier de dirigeant auprès de Jean Valorge. Je dirais que dans les qualités, globalement, c'est beaucoup l'esprit d'équipe. Et moi, en tant que dirigeant, c'est pareil. C'est du dialogue. Il faut composer avec les qualités des uns et les qualités des autres. Et avec les défauts, y compris les miens, pour arriver à un projet qui soit abouti et qui soit finalisé. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à compléter ça, non pas en grossissant l'entreprise, mais en apportant à chaque fois des activités complémentaires pour arriver à faire un package et à maîtriser complètement l'ensemble de la construction. Et tout ça pour arriver à avoir un groupe qui soit complètement autonome.